Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire. Est-ce que vous vous souvenez de cette femme qui se trouve à l'écran? Ah! Alors là, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Réaction d'une béguiste face à la mort mystérieuse de cette nouvelle mariée. En réalité, cette femme que vous voyez là, c'est l'information que j'ai reçue, on nous dit qu'elle est morte. Et certaines personnes pensent qu'elle est décédée par empoisonnement. C'est ainsi au Cameroun. Il y a beaucoup de cas pareils, de cas d'empoisonnement. Dès que vous venez de l'Europe, vous rentrez là-bas, vous allez saluer la famille, vous faites ce que vous voulez, on vous empoisonne. Dès que vous dites que vous avez un fils avec, que vous devez aller chez les Blancs, faire des affaires, faire des trucs, réussir, c'est un motif d'empoisonnement pour certaines personnes. C'est tellement grave que c'est un béguiste qui commence à faire attention, comme cette personne que vous voyez à l'écran au milieu. Écoutons-la. C'est devenu très grave. C'est devenu très, très, très grave au pays. Ça donne la chair de poule. Me voici en train d'aller pour la canne. Mais je ne sais même pas. Mais moi, je n'ai pas honte. Moi, je vous dis. Moi, je suis en train d'aller pour la canne. Mais je n'ai pas honte de demander à mon frère ou à ma cousine qu'on goûte d'abord. Tu goûtes, je goûte. Tu ne goûtes pas, je ne goûte pas. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Parce que si je savais bien, toujours trop tard. Si tu veux le comportement, qu'est-ce que je m'en fous de ce que ma copine va penser de moi. Je ne dis que je m'en fous de ce qu'elle va penser de moi. Ma sécurité avant tout. Ma sécurité avant tout. Je ne dors pas n'importe où. Je ne dors pas n'importe où. Parce qu'il y a d'autres qui organisent, ils t'envoient des bandits venir t'agresser. Hé, l'homme noir, je vous parle de quelque chose. La réussite des hommes, c'est seulement dans d'autres sont seulement là comme ça, attendre que tu réussisses. Pour pouvoir t'en. Dis que souvent tu as des problèmes comme ça, comme vous allez voir par exemple sur Facebook, hein. Quelqu'un va venir commenter, c'est une de mes amies, anciennes amies qui va venir. Donc, quand tu pars au pays, moi je mange avec ma bouteille. Quand vous dites qu'on est les bengis, c'est toujours avec les tangis. Oui. Je mange avec ma bouteille, où j'ai déposé là, je laisse. Je m'arrête au prochain kiosque, j'achète encore une autre bouteille, je laisse, ainsi de suite, quand je fais mon chemin. Si j'ai déposé la bouteille, c'est parti, c'est revient, je ne bois plus. Je vais mourir pour 250, parce que la bouteille d'eau, c'est 250. Le machin peut te mettre ça dedans, c'est vite fait. Je vais mourir pour 250, je vais mourir pour combien? Donc, dès que quand je vois là que j'ai déposé, je suis allé pisser, je reviens et ne prends plus. Je ne prends plus quand j'invite mes amis en boîte de nuit. Quand on part en boîte de nuit, je ma part. Si j'ai déposé mon verre, maman, je ne consomme plus de ce verre-là. Je ne consomme plus dedans. Parce que l'homme noir est méchant. Je ne généralise pas, mais la majorité sont méchants. Comment vous expliquer que des gens quittent? Mais si quand elle les étoiles, mais quand elle se décide avec les étoiles, et quand elle s'envoie les étoiles, c'est mal disorgue. Comment vous expliquer que des personnes veulent aller en Afrique, être en harmonie? Parce que pourquoi on m'a dit, hein, quand tu es ici en Europe, quand tu rentres au pays, merci Ornella qui vient d'envoyer des étoiles aussi, nous sommes à 2000 étoiles. Quand tu rentres au pays, tu as une chaleur que tu n'as pas ici. Qu'on ne se mente pas. Quand tu es ici, là, tu viens, c'est un stress. Tu vis quelque chose qui est inexplicable. Quand tu rentres en Afrique, tu retrouves la chaleur. Le fait de voir des gens en bordure de route, la musique, ça te déstresse même. Ça te fait oublier même tes soucis. Qu'ici, là, en Belgique, ici, en Europe, tu peux faire même 2 ans, tu ne vois pas ton voisin. Tu peux faire 2 ans, tu ne sais même pas à quoi ton voisin ressemble. Mais tu es au pays, tu es un peu stressé, tu pars, tu t'assois au bar. Tu consommes ta bière ou ton jus, tu vois, les gens passent comme ça, là. Et la vie continue. Les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. J'ai dit tous les gens ici aux gens que l'Europe, c'est pas le paradis. L'Europe, c'est comme on vous montre, c'est des gratte-ciels qu'on vous montre là. L'Europe, c'est pas le paradis. D'autres vont s'asseoir et dire, Aïcha, pourquoi tu ne rentres pas? Je ne peux pas rentrer. Je rentre pourquoi vous, encore, vous pouvez vous moquer de moi. Hein? Je parle du cas de beaucoup de personnes. Hein? Parce que quand tu vas venir ici, tu vas dire aux gens que c'est dur. Ce qui est sûr, comme je le dis souvent, en Ben, tu as le moyen de t'en sortir. Même au pays aussi, tu as le moyen de t'en sortir. C'est vrai qu'au pays, c'est un peu plus dur. C'est vrai qu'au pays, c'est un peu plus dur. Mais dites-vous que les gars, quand vous asseyez au Cameroun, vous entendez que, par exemple, je vous prends un exemple, Aïcha touche 2 000 euros. Sur 2 000 euros que moi, je vais toucher, et je vous prends un exemple,
Sur 2000 euros, je vais payer mon loyer. Seulement mon loyer, c'est 700 euros que je vais payer. Il va rester combien? 300, il va rester 1300 euros. Hein? Tu dois payer les impôts 20%. 20% de 2000 euros, là, c'est combien? Mais disons 200 euros. Il te reste 1100 euros. Sur 1100 euros, tu dois retirer au moins 5. Ah, vraiment, vous entendez ça? Vous entendez ce qu'elle a dit? Revenons un peu en arrière pour écouter cette partie. Attendez, revenons un peu en arrière. Vous asseyez au Cameroun, vous entendez que, par exemple, je vous prends un exemple, Aïcha touche 2000 euros. Sur 2000 euros que moi je vais toucher, et je vous prends un exemple, sur 2000 euros, je vais payer mon loyer. Seulement mon loyer, c'est 700 euros que je vais payer. Il va rester combien? 300, il va rester 1300 euros. Hein? Tu dois payer les impôts 20%. 20% de 2000 euros, là, c'est combien? Mais disons 200 euros. Il te reste 1100 euros. Sur 1100 euros, tu dois retirer au moins 5. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Beaucoup de personnes pensent que c'est facile de vivre à l'étranger. Mais elle nous révèle vraiment des réalités pas possibles, des choses hors du commun, des choses waouh, des trucs en la Dieu. Vous voyez ça? Les gens qui sont en Europe, ils viennent en Afrique. Donc, quand ils viennent en Afrique, là, en réalité, c'est pour venir récupérer leur liberté. Parce qu'en Europe, c'est comme s'ils étaient coincés. En Afrique, ici, tu peux pisser dehors, tu peux pisser partout. Donc, pas pisser n'importe où aussi. Hein. Les choses sont en train de changer. Ah, mais il y a quand même une certaine liberté ici. Oui, tu peux aller en bus, mais pour faire caca, tout ce que tu veux, l'être des fois, comme à l'état naturel. Mais c'est ça les choses qu'on ne peut pas faire en Europe. Toutes ces choses-là, il faut que. Quand ces gens-là reviennent en Afrique, c'est comme s'ils sont à l'aise. C'est un jour revenir en Afrique. Je vais venir faire le show. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en Afrique ici, il y a beaucoup de sorciers. Et ces sorciers-là, aujourd'hui même, voyagent. Ils font en Europe. Ils vont vous trouver là-bas. Quand vous venez ici sur leur terrain, vraiment, soyez prudents. Le truc, c'est de vous dire que vous avez des ennemis partout. Si vous mettez dans la tête que vous avez des ennemis partout, que vous êtes vigilant, vraiment, vous allez sauver votre vie. Parce que si vous les êtes ouverts avec tout le monde, les gens risquent de vous empoisonner facilement. Moi, ça m'est déjà arrivé en Afrique, hein, sur le terrain. Il n'y a que Jésus pour sauver les gens comme moi. Ouais, il n'y a que Jésus pour sauver les gens comme nous. Nous, les pauvres. Seigneur, tu nous rends riches par ta présence extraordinaire. C'est qu'elle dit, ouais. La disparition de cette femme m'a fait crier les réseaux sociaux. Mais le résultat est là. Les gens continuent les bêtises. Mes frères et sœurs, soyez sur vos gardes. Dites-moi ce que vous en pensez. Beaucoup de personnes ne veulent même plus revenir en Afrique. Mais vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est de vous dire, mes frères et sœurs, soyez vraiment très vigilants. En Afrique, ici, pour pouvoir vivre longtemps ici, il faut savoir avec qui marcher. Il faut connaître l'état d'âme des gens. Si une personne est sorcière, il ne faut même pas te fatiguer même pour marcher avec elle. Il faut même pas te fatiguer même pour essayer de l'impressionner. Parce que tout ce que tu feras pour cette personne ne sera jamais apprécié. Je dis bien, tout ce que vous allez faire pour cette personne, pour impressionner cette personne, ne sera jamais apprécié. Parce qu'il y a l'esprit de la sorcellerie. Donc, quand vous rencontrez une personne ici en Afrique, d'abord, ce que vous devez rechercher à savoir, c'est est-ce que cette personne a l'esprit du mal? C'est-à-dire l'esprit de la sorcellerie. Si cette personne n'a pas l'esprit de la sorcellerie, et que cette personne même est gentille physiquement, vraiment, vous allez tomber sur la personne la plus merveilleuse de la planète. Mais c'est rare. Parce que la majorité sont avec Satan.
La majorité ont un cœur très dur. L'homme noir est méchant. Et effectivement, l'homme noir est très méchant. Ce sont les jeunes personnes qui n'aiment pas voir d'autres personnes évoluer. Quand une autre personne en joie, comme la photo que vous voyez là-bas, la première photo là, vraiment, c'est compliqué pour eux à supporter ça. C'est là la sorcellerie commence. Quand il y a la sorcellerie dans ces gens-là, même si vous ne les avez rien fait, ils vous attaquent. Oui. Même quand vous ne les avez rien fait, ils vous attaquent. Et ils vous combattent pour tout. Pour tout, même les choses insensées. Parce que ces gens-là sont déjà possédés par un esprit de la sorcellerie. Et ils aiment bien faire le mal. Ils aiment bien faire souffrir les gens. C'est ça aujourd'hui, la réalité que moi-même j'ai découverte sur le terrain par rapport à ça. Frères et sœurs, soyez prudents. Je ne parle pas beaucoup.